Bonjour tout le monde! Alors nous voici réunis pour une nouvelle vidéo avec l'archange Gabriel. En direct live, qui me dit, c'est ça? Donc nous allons commencer par un tirage de cartes avec le tarot des archétypes de Bernard Chomeil. Je rappelle encore une fois que je ne sais pas tirer les cartes, mais alors celle-là, elle s'est enlevée toute seule, est-ce qu'il faut que je la prenne? Donc je la prends. Donc je la prends, d'accord, pas besoin de la mélanger. Du coup, je mélange ou pas? Donc maintenant, je mélange. Donc maintenant, je mélange. Et celle-là, je la garde. D'accord. Je disais, je ne sais pas interpréter les tirages de cartes, mais finalement, on s'habitue avec l'archange Gabriel. Et je ne suis pas le petit livret qui est dans la boîte, parce que c'est aussi bien comme ça pour moi. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je regarde d'autres decks, c'est ça qu'ils disent les autres. Donc je sors pas de carte, je regarde derrière. Alors, le dos de deck, oh là là, c'est pas beau du tout, j'aurais pas dû regarder. Ah, alors, je vois si on voit bien. Donc j'ai là, c'est une carte à l'envers. Donc d'un côté j'ai l'amour, de l'autre côté la haine. Mais comme elle est sortie à l'envers, on considère que c'est le côté haine qui est sorti, c'est ça? D'accord, donc c'est la haine. Donc je la laisse à l'envers, mais ça représente la haine. Et là, il y a la reconnaissance qui était sortie à l'endroit. Donc je la mets à côté, hein, la haine. Hein. Celle-là, je la prends pas. Hein. Non, mais c'est pas possible. Donc je prends celle-ci, il y a la peur. Oui, mais est-ce que moi, je voulais mélanger et faire sortir une carte. Je fais pas ça. C'est tout? J'arrête pas. D'accord. Donc est-ce qu'il faut tirer une autre carte en plus ou pas? D'accord. Donc je tire une autre carte. Je suis désolé hein, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, hein, qui ne me connaissent pas. Je ne sais pas interpréter les cartes, donc je demande à l'archange Gabriel de me dire ce qu'il faut que je fasse. Ouais, non, mélanger, elles sont pas faciles, hein, parce qu'elles sont grandes. Mais elles sont belles. Allez, on en sort une. Ah, celle-là, je la prends ou pas? Donc je prends celle-là. Donc là, dans le sens-là. Ah, elle est à l'envers aussi. Bah, décidément, c'est pas beau du tout comme tirage, j'aurais pas dû faire. Alors, donc, comme elle est à l'envers, celle-là, c'est la résistance. Donc il y a la reconnaissance, la haine, la peur, la résistance, c'est ça. Oh, elles sont belles ces cartes. Alors attendez, je sais pas si vous les avez vues en fait. La reconnaissance. La haine. La peur et la résistance. Alors, résistance, si on avait eu dans l'autre sens, c'était de lâcher prise. Hein. Donc là, on ne nous dit pas de lâcher prise, mais de résister. Enfin bon, on va voir ce qu'il va nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, Gabi? La reconnaissance, c'est pour après. D'accord. Donc, faut mettre d'abord les autres avant. C'est ça? Alors. Oh là là. Donc c'est quelqu'un qui est dans la. Alors, ce serait des personnes qui seraient dans la. Une ou des personnes? Des personnes qui regardent la vidéo. Qui seraient dans la haine, la peur et la résistance. Alors, oui, parce qu'ils ont eu un problème avec quelqu'un. Donc ils sont dans la haine parce qu'ils ont été trahis. Alors trahis amoureusement ou pas? Donc ce sont des gens qui ont été trahis amoureusement. Et en même temps, ils sont dans la peur de quoi? La peur de perdre l'autre et la résistance. Ils résistent à la séparation. Alors, donc ils sont dans la haine parce qu'ils ont été trahis, ils ont peur de perdre l'autre personne et ils sont dans la résistance de la séparation. Enfin, ils ne veulent pas être séparés, c'est ça. Ils veulent rester ensemble. Alors, tout ça, les trois cartes, ça concerne les personnes qui, enfin, les personnes qui se sentent concernées et qui regardent la vidéo. Ça ne concerne pas d'autres personnes qui sont en rapport avec eux. D'accord. Donc ça concerne des personnes qui regardent. Qui auraient donc un problème avec une autre personne. C'est un problème amoureux, on a dit. Alors, je suis désolé, hein, mais moi, je ne retiens pas tout ce qu'il me dit. Alors, donc, ces personnes auraient un problème amoureux et ils seraient donc dans la résistance. La peur de perdre l'autre et la résistance de ne pas se séparer, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se séparer.
Bon, il faut se séparer, c'est pas une blague encore. Il faut se séparer pour réfléchir. Donc pas forcément une séparation définitive. Bon, j'ai bougé mon doigt, mais j'ai pas écouté la réponse, désolé. N'importe quoi. Alors, quoi? Alors, il faut se séparer, mais pas définitivement, car ça va aller mieux après. Alors, c'est pareil pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. Normalement, d'habitude, je fais de l'écriture automatique, donc avec un crayon, hein, mais ça me prend beaucoup de temps, donc là, je fais des raccourcis en faisant avec, comme ça. Et je fais avec mon doigt, parce que ça, il me fait faire avec mon doigt des fois. Mais je l'entends en même temps dans ma tête, hein. Oui, quand je fais avec mon doigt, il me dit comme ça, au moins vous voyez que c'est parce que je suis en train de discuter avec lui. Ça, d'accord. Alors, donc on en était toujours à cette histoire de trahison. Donc c'est une trahison amoureuse, hein. Et donc les personnes doivent se séparer pour réfléchir. C'est un conseil, hein. Alors, je précise, hein, moi je ne dis pas aux gens de se séparer, hein, ceux qui regardent la vidéo qui ont un problème, moi je ne conseille rien du tout, hein. Je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit, ni vous faire faire de fausses, j'allais dire fausses manips, de faire faire vous faire avoir de fausses réactions, donc, enfin de mauvaises réactions, pardon. Donc libre à chacun de faire comme il souhaite. Là, moi, je fais passer un message d'Archange Gabriel qui conseille aux gens dans cette situation de se séparer temporairement pour réfléchir. C'est ça, hein? D'accord. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre non plus le conseil de l'archange Gabriel, hein, parce que vous faites bien comme vous voulez. Si ce n'est le fait que si vous devez vous séparer, de toute façon, là-haut, ils font en sorte que vous vous sépariez. Et si ce n'est pas là, si vous ne devez pas vous séparer, vous ne vous séparerez pas. Donc, enfin, moi, on fera des vidéos plus tard, j'espère, sur le libre arbitre, mais il n'est pas toujours présent le libre arbitre, j'ai l'impression, moi, depuis ce que j'en comprends, depuis que je suis en échange avec lui. Alors, du coup. Quelque chose à dire, Archange Gabriel? Ah, pardon, il me dit que je le laisse parler. En même temps, si je parle, c'est lui qui me fait parler, je suppose, mais bon. Oui, voilà. Alors, du coup, est-ce qu'on a quelque chose à dire sur les trois cartes du haut, là ou... Alors, je les remets à l'écran, pardon. Haine, peur et résistance. Donc, c'est bon pour ça. Et alors, la carte de la reconnaissance? Alors, il faut dire que ça va aller après. Donc ça va aller après, une fois que ils vont se séparer temporairement, et là ça ira mieux. Et ils vont se remettre ensemble ou pas? Ils vont se remettre ensemble, même s'ils ont été trahis. D'accord. Bon, bah écoutez, alors donc... Et la délai de la séparation, ça va être long ou pas long? Un peu long, c'est-à-dire? Quelques années? Ah, bon, c'est pas terrible, moi, comme message, comme vidéo, Archange Gabriel. Alors non, c'est une blague. Ah, bon, alors donc, ils vont se séparer, mais pas longtemps. Enfin, ça, c'est moi qui aimerais, en fait, que ce soit ça. Alors, ils vont se séparer un certain temps, mais pas trop longtemps. Et donc, ça veut rien dire. Ils vont se séparer quelque temps, mais pas trop longtemps. Ça veut toujours rien dire. Ils vont se séparer un peu, mais pas longtemps. Donc ils se moquent de moi. Bon, ils vont se séparer en nombre de. Enfin, en plusieurs mois. Plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs jours. Plusieurs jours, mais plusieurs jours, ça peut durer plusieurs années, c'est ça. Donc, l'archange Gabriel, tu ne veux pas donner de date, c'est ça? Oui, voilà, ils verront bien. Ben, c'est pas très gentil, hein, mais bon. Je sais, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Ils vont se séparer, du coup ça ira mieux après, c'est ça? Ah, mais entre-temps, ils vont faire une autre rencontre. Ah bon, bah donc ils vont pas se séparer 3 jours, hein. Ah, donc il faut qu'ils se séparent pour réfléchir, mais en fin de compte, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre. Tous ceux qui vont se séparer? Oh là 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 là, quelle histoire. Oui, je sais bien que c'est pas drôle, mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon, ils vont peut-être, il y en a qui vont se séparer, qui vont réfléchir, qui vont retourner ensemble, non? Ah, la grosse ruse. Il me dit oui, mais ça sera comme une nouvelle rencontre, c'est ça? Ils repartiront sur de bonnes bases.
Donc, bah, vous prenez ce qui vous parle. Visiblement, il va falloir se séparer pour réfléchir. Et la séparation va être du fait de la personne qui regarde la vidéo ou du fait de l'autre personne qui a trahi? Des deux. Ça peut être l'un ou l'autre. Bon, d'accord, on se mouille pas. Alors, donc du coup, ces personnes vont se séparer, mais ce sera pour réfléchir et après soit trouver cette même personne ou une nouvelle rencontre. Il n'y a pas de date, il n'y a rien. Bah, voilà le genre de tirage de cartes, moi, qui m'énerve plutôt, parce que c'est banal et on peut dire ça à tout le monde. Pas besoin de tirer les cartes pour ça, hein, Archange Gabriel. Oui, voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc, est-ce que c'est tout pour cette vidéo? Bah, c'est pas que ça qu'on va avoir un succès, Archange. Bon, est-ce que c'est... L'important, c'est que ça parle aux gens, c'est ça? Donc, ça va parler peut-être à certaines personnes. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. D'accord, bon, bah, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, c'est tout, comme me dit l'Archange. À bientôt!